Bon, maintenant, c'est GG, parce que Barrett, Tifa, Cloud, ça va. Barrett, c'est un énorme tank. Il a son triangle qui est pas mal. Il a ses compétences aussi qui sont cool. De la glace, déjà. Et là, boum, une barre d'ATB. Ah oui, non, c'est vrai. C'est cela. Valeur maximale. Ah bon, là, il est mal déjà. Ah, c'est deux salles, deux environs, hein. Oh là là. En fait, il faudrait donner une Kalachnikov à Eris et là elle sera peut-être un peu plus utile. Je pense hein, que c'est la solution. Tifa. Tifa, Tifa, Tifa. Ok, bon. Même pas besoin de regarder les faiblesses, je connais. Là, je suis bien chaud pour me foutre hâte. Hein? C'est quoi son invoque, Alexandre? Bon, déjà, il n'y a plus de bras. Vous savez ce qu'on dit, pas de bras. Chocolat. Là, tu prends ça. Rien ici, rien ici, rien ici. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Et la transcendance. Ciao, bye bye. Ok, 3 coups de poing. Facile. Elle touche pas le sol. Un peu plus long que Barrett déjà. Et donc Cloud contre le bouffon sanguinaire. Who could have expected an upset like this? Cloud the Knife's team has made it to the finals. But playtime's over. This here's the real moment of truth. Are you ready? I want to hear some noise, people. Give it up for everyone's nightmare, the Murder Machine Supreme. No challengers have ever managed to beat this. Et vous savez quoi, je suis content que ce soit Cloud contre lui. Comme ça je pourrais l'analyser. Will they be able to claim our darling little grand prize? You're about to find out, folks. This is the moment we've been waiting for. A desert wildlife! Okay.
esquiver. Il aime pas le vent. Esquive plusieurs fois de suite, succion d'âme, le forcera à appuyer dans sa propre énergie, le fragilisera. Quand ses PV sont bas et qu'il devient enragé, il lui entre aussi en fragilité. Ok. Le nul. Ok, donc là il s'est fragilisé, il faut que je fasse du vent. Oh mais... C'est fragilisé mais pas trop en fait. Aïe. Là, je lui fais une fin infinie. Je vais retirer la moitié de sa vie. Ouais, il triche. Vite avant qu'il soit complètement buff. Voilà. Encendance. Allez, je tente quand même l'âme brave tant qu'il est en choc. Yes. C'était soit ça, soit je gardais ma barre d'ATB pour me soigner et je le finissais, mais bon. L'âme brave suffisait. My little baby gets so thoroughly crushed. Damn it! Do you have any idea how much kill I spent on that thing? You inconsiderate son of a bitch! It's good. It's all good. Gotta look to the future. Our future. What do you say? We'd make one hell of a team. We'd clean up at the fights and the races. Come on. You wanna? No. Don't do me like that. I'll throw in some perks on top. That should sweeten the deal, right? No. Where's the girl? Oh, so you really were after our little prize. You, sir, are a dirty dog. Well, you're welcome to her. You earned it. Just as a little show of good faith. Go on, don't be shy. And then maybe think over that deal. Pretty please. Hey. Huh? Hello. Where did you come from, beautiful? You looking to get in good with the Gus man? Don't ever pull this crap again. You offer any more people as prizes, they'll have to scrape you off my shoe. Got it? Bien joué Tifa. Miss premier prix du coup, qu'est-ce que qui c'est? So, how did the reunion go? Different girl. Ah. What? Was just a random tourist from Midgar. Fell for a scam at the saucer and ended up down here. I sent her back up. Made sure she's safe. Oh, I'm sorry. Don't be. I'll find her eventually. I'm sure of it. Anyway, what's next for you and the others? We're looking for something too. Need to find it ASAP.
funny. Always the same story. Du coup, ce sera le Joker dans la chasse. Oh, des points Mortifa, cool. Good luck to you. Thanks. And you. Oh, ça y est, je suis copain avec Tifa. En tout cas, copain à fond. C'est cool. Est-ce que j'ai besoin de me soigner? Non, j'ai pas perdu de vie avec ça, vu que c'est dans un truc à part. C'est Ogle Saucer, ça, non? Ah, c'est Ogle Saucer niveau 1. Y'a pas un... Ah si, là. Librairie machin. Et calme-toi, toi. Tifa, qui a maintenant des points... tout en haut, ça c'est sa transcendance, c'est ça qu'on voulait. Compétence. Après activation, effectue jusqu'à 3 attaques en appuyant sur carré au bon moment. C'est un truc que tu lances quand tu le maîtrises pas, comme ça tu t'emmerdes pas. Youfi, 15 points, est-ce que c'est suffisant pour acheter un truc? Non. Il faut 20 là, puis 15 là. Dommage. Donc, ça c'est fait. On n'a pas eu de truc de Chadley d'ailleurs, donc ça veut dire que c'est ça la quête... Bah non, requête de Billy. Oh! Ou alors je l'ai pas vu pop. Ah non, Chadley il m'aurait appelé. Je vais quand même vérifier. Bah non, il n'y a pas de petite icône. T'es pas en train de me dire qu'il n'y a pas de monstre ici? Incroyable. Bah du coup, direction le Gold Saucer. On va avoir moult choses à faire. Moult choses à faire, mais avant tout, nous allons faire du Queen's Blood. Non, avant tout, nous allons avoir une cutscene. If I catch you goofing off, so help me out. Cloud, you got a minute? There's something I failed to mention about the Temple of the Ancients. You might call it a legend or a warning. Uh-huh. You see, no one who goes into the temple ever comes out again. No one. And I'm wondering if you really want to take everyone to a place like that. You said it yourself. It's just a legend. I did, aye, but... Let's focus on finding Dio and the Keystone for now. Il n'y a pas peur. Alors, où se trouve mon ami Descartes? Quand je dis Descartes, je ne parle pas du mathématicien. Déjà, on va aller au manoir. Bah si, c'était le manoir, ouais. Normalement. Le Ghost Square. On va rencontrer quelqu'un qui est censé être décédé. Et effectivement, c'est peut-être le cas. Après, on va débloquer du coup le niveau 9. Ça va faire plaisir. Du coup, on est content de notre deck, hein, normalement. Attendez, parce qu'en fait, je viens de penser à un truc, c'est que ma montre, il faut que je la mette à recharger. Rien à voir, hein, mais c'est juste que le chargeur est là. Deux secondes. Hop. Alors. On n'a pas besoin de toutes les cartes, là. Faut sacrifier une niveau 3.
Quoique non, en vrai. Non, vas-y, YOLO. J'ai une idée. Est-ce que cette idée va marcher? C'est une autre question. Une chose à la fois. Prends le centre, ok. Je fais ça, je m'étale bien. Ok. J'hésite, mais on va faire ça. Aïe aïe aïe, ça va pas avec ce que je voulais. Je vais faire ça juste pour dire d'avoir la, le point du milieu. Oh, fumier. Tente un truc, mais... Ok. Prends tout ça. Tout ça, c'est à moi. Prends le haut très bien. Récupère ça. Lui, je le supprime pour reprendre le point là-haut. Je m'en doutais. Si je fais ça, je pourrais mettre Titan au milieu. Ou alors Mog. Mog qui me permettrait de reprendre la case en bas, mais... Ah non, fumier. J'ai plus rien, moi, là. Je peux plus reposer de carte par-dessus. Pour l'instant, je gagne. Hein. Voilà, je gagne plus. Je gagne plus du tout, en fait. Ah non, mais c'est con qu'il ait pris la carte du milieu. On avait besoin. J'avais le move parfait. Ah, allez. Ah, j'avais tenté un truc. Ça n'a pas fonctionné. Ça arrive. C'est pas grave. On va essayer d'être un peu plus incisif. Là, je vais essayer de construire tout ça. Pas deux fois la même erreur. Prendre la case en bas. Ah non. Oh, c'est bien ça. On va voir. Non. C'est le move que je voulais faire.
Bien emmerdé là. Ah. Ça dépend où est-ce qu'il place ses cartes. Mais là, il va me la reprendre aussi. YOLO, hein. Ah voilà. On va recommencer. Ah, en fait, à chaque fois, j'ai un mauvais timing dans le sens où je... En fait, il faudrait que j'ai un tour... En fait, il faudrait que ce soit lui qui joue puis moi. À chaque fois. Un peu l'histoire de ma vie sur ce jeu. On va tenter une avancée, une percée vers l'avant là. YOLO. En vrai, ouais, pourquoi pas. Ok, j'apprécie. Là, je prends tout ça. Complètement fou. Ah, normalement, je suis bien. J'ai pris bien au centre, là où j'ai plein de points, vers ce qu'il veut, je m'en branle. Ici, je buff encore plus la ligne du milieu. Ah, il arrête. Prends des points en haut. Et je lui affaiblis sa carte, ce qui fait que je gagne la ligne du haut. Bah ouais, bah ok, moi ça me va. Moi je suis bon. 33 points. C'est bon. À un moment il a mal joué, hein. Il aurait pu me foutre en galère, mais il l'a pas fait. Cramu. Réduit de 3 la puissance des cartes alliées adverses sur les cases à effet spécial quand cette carte est jouée. Ouais. Well played. Not that I ever truly doubted your potential. I was right to leave you that letter. Letter? What letter? You remember, don't you? The inn at Calm. I hung it on your door, though I signed it in the proprietor's name. So that was you. Je me souviens même plus. Forgive my subterfuge, but I was in dire need of a skilled player. And you certainly did not disappoint. You were even able to best me. Which, while impressive, won't be enough. Not if you intend to hold the Shadowblood Queen's card in your deck. That foul thing is the source of this nightmare. The very embodiment of the villain herself. Through the card, she feeds on the wielder's life force, claiming their strength, that she may one day be reaped.
one more death is all she requires to return. Mais t'en fais pas, hein. Cloud. Cloud. Cloud a déjà des problèmes mentaux, donc. She who deposed the queen, the Emerald Witch. Her guard sleeps in Nibelheim with a monster of chaos. You must hurry before it is too late. Très bien. Congratulations, Cloud. You have attained the rank of Blood Sovereign. This is it. Only one opponent remains. The Monster of Chaos. I know nothing of their skills. But I have to vanquish this fiend. À direction Nibelheim, hein. Oh, c'est dans le labo. Parce que bon, Gold Saucer, on peut s'y TP facilement. Pas un problème. Et j'aimerais bien finir cette quête du... Du... Oh non, je peux pas utiliser les voyages rapides. Damn! Les gens... Bon, c'est pas grave. On va aller faire du chocobo du coup. On a une quête secondaire. Du petit Billy. On aime ça en plus, le chocobo. Ah voilà. Tant que je voulais voir. Gave us permission to race in the Gold Cup. So I went and signed you up as soon as I could. After all, you're the best jockey I know. The cup is three races, and you get points based on where you place in each. Bird with the most at the end wins. But the races are nothing like you've ever seen before. Gotta be on the ball if you want to take the top spot. Anyway, inquiète. When you're ready to face off against the finest riders this... Hey. Bonjour. Which of these races will you be competing in? Vous pouvez désormais participer à la plus prestigieuse des courses de Chocobo, la célèbre Coupe d'Or. Cette compétition se déroule en trois courses, la victoire allant au jockey ayant accumulé le plus de points. Oui, bon, c'est ce qu'il vient de dire, quoi. Ah oui, d'accord. Avancer Coupe d'Or, donc il faut faire avancer d'abord. Oh là, je vous dis, Ifrit Shiva, machin et tout. Ok. Et bah, c'est parti, hein. On avait notre bon vieux Pico. 10 courses, 10 victoires, un vaincu. Putain, Sirena, c'est pas considéré comme une course, une victoire avec le chef, enfin le maître Chocobo. Hein. Ah, j'avais mis full... Non, j'avais pas mis full... Ah non, c'était ça. Hop, voilà. Tac, tac. On va rester avec cette config hein, qui m'a porté chance jusqu'à présent. Par contre, je sais plus les touches. R2 pour accéder... Non, 3. Et c'est croix. Directement, on prend l'avantage pour récupérer un maximum de fruits. Eux ils font genre, mais bon, très vite ils vont être perdus. Voilà comment ça marche ici. Ça, ok. Ah non, d'accord, c'est des bumpers. Trop, pas tout saisi. Non, j'aurais pas. Privilégie toujours les fruits bleus en premier. Comme ça, on a une vitesse passive plus importante. En plus, ça augmente tout seul. C'est bon. Je suis full fruit, donc là, je suis giga rapide. De base. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Besoin de fruits bleus, donc on passe ici. On booste. On prend du rouge. Je parle pas du vin.
Faudrait vraiment un rétro par contre. Et là du coup on se focus sur les fruits rouges. Hop, avec les dérapages ça accélère aussi en plus. Ah mais d'accord, il y a des trucs en l'air et tout en plus. Ah ouais, mais c'est fort ça. Ah non, j'étais un peu dans l'herbe. Voilà, avec mes charges de sprint et tout. Oh là là. Les adversaires ne sont pas prêts. Déjà que je remets une pilule là. Boum, à la corde. Oh là là, le massacre. Intestable. Après on est qu'en version en difficulté argent. Et là j'ai l'impression que j'ai quand même pas mal d'avance. Toujours giga sprint là. Oh mais je sais que j'ai un pote pas loin là, j'ai vu ma place changer. C'est peut-être pas si offert que ça. Le problème c'est qu'il n'y a pas de rétro encore une fois hein. Impossibilité de voir derrière où sont les copains. Tout seul là en fait. Je regarde la minimap. Je pense que c'est que ma place avait changé un moment du coup. Pas sûr de bien saisir mais bon j'ai débloqué le rang or si je veux. Mais on va faire toutes les courses avant. On a des points Gold Saucer à débloquer comme ça. Hey, de toute façon ça c'est des courses or déjà. Promotion, première victoire aux courses or. Okay. Allez, suivant. Alors on va vraiment rentrer dans un arc mini-jeu parce que on aura la moto, on aura le combat, on aura encore du Queen's Blood, on aura de tout. Oh putain, c'est passé. Non. Aïe aïe aïe, les problèmes. J'ai perdu mes fruits, j'ai perdu mes places. C'est à cause de ces portes, de ces grands morts. On déteste. Hein. Je savais pas. Découvre le circuit aussi. Ah non mais mes fruits. Bon.
l'instant, on s'est pas perdu. On est loin de là. Je suis deuxième. Une petite remontée. Bon, en plus, l'autre, il se prend. Il se prend un ballon bombo. C'est plus lent dans l'eau quand même, donc autant faire ça. Oula. Putain, mais j'ai envie de crever. Hein. Ok, toucher un peu la porte, j'ai perdu un fruit, mais ça passe. J'appelle ça des fruits, hein, parce que pour moi, c'est Crash Bandicoot. Crash Team Racing, et c'est des fruits ou pas, normalement. Et vu le nombre de fruits qu'on chope pour cette course, en tout cas, là, c'est le plus rapide de rush les fruits, les trucs bleus, les ballons bleus. Non, j'aurais dû aller à droite. Voilà. Ok, c'était une trajectoire plutôt scandaleuse, mais qui permet de ne pas exploser, donc on prend. Aïe. Bah, typiquement, ça se fait plaisir. De crever. Mais de crever encore plus. Ah! Ah, je me suis dit, prendre des coups, c'est pas grave, il y a les ballons bleus ici. Pas beaucoup d'avance, hein. Pas que je me refoire. Vu où j'en suis dans ma jauge, je vais prendre ça. Ah non, c'est pas suffisant. Faut un petit boost. Ok, on accélère. Et normalement, c'est good. Oh là là, et les portes. Hein. Les portes, mon pire cauchemar. Coupe Léviathan. Donc là, on arrive dans les trucs en or. Et après, c'est platine. Toujours invaincu. Ico le best. Ico le pro. Avec la coupe Léviathan. Je suis pas fan de cet environnement, en tout cas, le côté un peu sous-marin. Oula, la course, enfin le circuit est particulier. Coup de virage. Ah, j'aime ça, les virages. J'ai peur de me faire tabasser. Non, ils m'ont percuté. Ah, j'ai esquivé le ballon. Envie de Guillaume Canet. Waouh. Serré le virage. Hein. Il y a des caisses à chaque fois. Hein. Donc il y a pas mal de raccourcis que je ne prends pas. Merde. Ah. C'est vrai ce virage.
Oh mais je me fais démolir là. Là, je me suis fait un peu bumpé. Oh non. J'avais pu prendre un fruit juste derrière. Mais putain, arrêtez de me pousser. Voilà, j'ai perdu deux fruits. J'ai l'impression que c'est juste des boîtes pour dire d'avoir des boîtes là. Oh non, j'ai pas eu. Ah, y'a un truc à gauche. Je le saurai pour le prochain round. Ah, lui il l'a pris. Non, c'est serré. Non, j'aurais dû prendre un rouge. Je suis nul. Oh, il y avait un autre raccourci là. Ouais, mais eux ils connaissent la map. Moi non. Déjà, ils peuvent prendre des ballons jaunes qui donnent un sacré boost quand même. Ok. C'est pas mal là ce qui s'est passé. Là à gauche. Ah ouais, non. Virage dégueulasse aussi en sortant de là. Pas la bonne touche. Ça. Ah, il y avait un autre raccourci normalement à droite. Mais je ne l'ai pas vu. Non. Là à droite. Bon, tant pis. Ok, ça passe. Putain, sachant que je connaissais pas les raccourcis, je remets quand même une belle avance. Mais je me suis tellement fait taper.